Bon, mes chers amis. Bon, ben, me voici à la chanson. Bon, ok, comme vous pouvez voir ici, il me manque environ 4500 pièces. Parce que j'ai voulu essayer avec un retard d'entrave et une puissance. Mais c'était pas suffisant. Peut-être que si j'avais peut-être 3 coups supplémentaires, peut-être que je m'en sortirais avec Rayquaza. Ok, ça c'est ce que je vais essayer là en ce moment pour un deuxième essai avec Item. C'est parce que sans Item, ça serait pratiquement pas possible. À cause des entraves que lance... Fait l'inferno. Bon, souhaitez-moi bonne chance pour que ça marche en méga départ cette fois-ci. Mais avec coup plus 5 pour le changement. Yay, les amis, j'ai réussi! Yay! Mais le coup plus 5 est vraiment nécessaire parce que vous allez avoir de la difficulté. Comme vous avez vu, là, ok, c'était des entraves dans le centre de barrière. Parce que après ça, là, attention, vous n'avez pas vu la suite. Ça va être deux colonnes à la verticale de blocs cassables. Après ça, il va te faire une forme de U au-dessus du tableau. Ok, avec des blocs cassables, mais. Mais en même temps, ça va être des barrières. Fait que là, ça va être plus chiant encore. C'est pour ça que le coup plus 5 est plus important ici. Parce que au lieu d'avoir 6 coups avant qu'il lance ses entraves, vous en aurez 9. Je veux dire, quelqu'un va arriver à 8 coups restants, là, il va commencer à lancer ses entraves de fou. Sans Item, c'est vraiment pas possible. Vraiment pas, là. Comme vous voyez, le nombre de PB qu'il y avait, moi j'avais prédit qu'il y avait environ 35 000 puis 40 000, et j'avais bien raison de croire ça parce que, regardez, j'ai un score de 37 836. Puis vu qu'il me restait 2 coups restants, si on compte pas les 5 coups restants que j'ai payé, ok, ça fait 1000 points de boni. Fait que c'était sûr qu'il y avait 35 000 PB là-dedans pour faire l'inferno pour les chansons. Yeah, hein? Réussi toujours avec la même formation. Et sans utiliser méga départ, bien entendu. Vu que c'est possiblement possible, vu que je viens de le prouver ici. Bon, les chansons, youpi, un méga turbo, c'est la joie. Maintenant, je pourrais aller vers les chansons 110.
Est-ce qu'il va s'énerver? Oh non, il s'énerve pas. Non. Ça serait le fun s'il s'énerverait. Ça m'avancerait un petit peu plus vite. Vers le dernier échelon qui est l'échelon 150. Myriam me l'a averti. Que le dernier échelon, c'est l'échelon 150. 3 niveaux max. Là, je m'en vais. Je t'enquête pour un autre niveau max. Après ça, un méga turbo à l'échelon 120. Après ça, 2 niveaux max à l'échelon 130. 2 niveaux max à l'échelon 140. Et l'échelon 150, 3 niveaux max. Mais je pense que peut-être demain, j'aurai besoin d'aller en chercher d'autres pièces pour pouvoir avancer. Mais avec 24 780 pièces, je crois que je pourrais aller jusqu'à l'échelon 120. Mais pour l'échelon 130, l'échelon 140, 150, je pense que j'aurai peut-être besoin d'aller chercher d'autres pièces. J'aurai pas le choix. Je veux finir. Parce que je veux absolument aller chercher les 9 niveaux max là-dedans. Là. C'est très payant. Un niveau max là, ça fait 2. Plus 2, 4. Plus 3, 7. Plus 2, 6. Excuse-moi, plus 3, 9. 3 niveaux max. 9 niveaux max en 150 échelons, c'est quand même pas mal. Mais je vous dis, c'est vraiment très dur de réussir ça sans système. Puis bonne chance de réussir ça avec puissance et retard d'entrave, parce que je vous le dis, après 6 tours, là, il va vous enchaîner à chaque 2 tours, genre des entraves de fou. Ça fait l'inferno là. En tout cas, je te souhaite besoin de refocement pour réussir avec une puissance et un retard d'entrave, parce que si tu dis pas coup plus 5, là, tu vas avoir de la misère. Mais je suis sûr qu'il va être en mesure avec mes gars de Serum Destin de pouvoir. Contrebalancer tout ça. Donc sur ce, on se rejoint pour les 70 prochainement.